Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle histoire. Jojo sans peur. Jojo n'avait pas froid aux yeux. Il lui arrivait d'avoir froid aux mains, froid aux pieds, mais froid aux yeux, jamais. Son père avait peur du gendarme. Sa mère avait peur du dentiste. Ses copains avaient peur du loup, de la maîtresse et du noir. Mais lui, jamais. Sur le plongeoir de la pistoche, là où les autres ont la pétoche, il allait sans trembler. Quand les autres se faisaient un sang d'encre pour un devoir mal fait, il gardait son sang-froid. La chair de poule, il ne l'avait qu'en sortant du bain si quelqu'un faisait un courant d'air. La porte. La peur donne des ailes, Lut-il un jour dans une sombre histoire de bandits. quelle chance en les trouillards, ils savent voler. Jojo essaya de faire peur à toutes sortes de bêtes pour voir si elles s'envolaient. Au chat, au chien, au hamster ou au poisson rouge. Aucune de ces bêtes ne s'envolait. À sa mère, il fit une belle trouille. Mais à part la gifle qu'il récolta, il n'apprit rien de neuf. Ses parents s'inquiétaient. Tant qu'il n'aura pas eu une peur bleue, ce gamin sera insupportable. Un jour, que Jojo était à l'école, ils se déguisèrent. Le père en Dracula, la mère en sorcière. Quand Jojo arriva le soir, ces deux guignols ne l'effrayèrent point. Où sont mes parents? Dracula ricana. La sorcière cracha, toussa et dit d'une voix de fossé. Tes parents, je les ai transformés en lézards. En lézard? L'idée plut d'abord à Jojo. Puis, il se souvint que le matin même, il avait arraché la queue d'une de ces bestioles, juste pour lui faire peur. Jojo devint vert de peur. Il avait peut-être coupé son père ou sa mère en deux. Dracula se dégracula-ça. La sorcière se désorciérisa pour rassurer Jojo. Depuis qu'il a eu peur, Jojo respecte les bêtes. Leur faire peur ne l'amuse plus. Pardon, pigeon. La peur, ça vous scie les jambes. Ça ne donne pas d'ailes. Mais mon fils de Dracula, j'espère que vous avez bien aimé l'histoire. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.